On traduit souvent le concept de DI par timing. Ce concept nous propose de trouver l'harmonisation en allant vers l'autre et de percevoir l'instant de la prise de contact. DI demande ainsi une totale disponibilité et exclut toute dispersion ou inattention. Ce principe comporte une forme de patience et de calme qui permet d'éviter toute précipitation. Il nous amène à comprendre ou à ressentir à quel moment le mouvement doit s'amorcer. La maîtrise du DI dépasse largement la technique pure. Elle permet en quelque sorte de rendre l'instant élastique. DI et Mawai sont intimement liés. En effet, la gestion du timing DI, combinée à celle de l'espace Mawai, permet de vivre l'ici et le maintenant. Je pense que notre discipline nous donne la possibilité de vivre aussi le DI comme une opportunité qui nous permet d'aller chercher et de désamorcer à la source le conflit.